Voici deux échanges amoureux. Le premier, je te kiffe trop, tu m'excites de ouf. Bon, arrête de faire le bolos avec tes textos et viens me pécho, j'ai grave envie. Et le second, on peut avoir besoin d'un être pour être soi-même. Moi, j'ai besoin de toi pour être plus que moi-même. Je suis bouillante, au-dedans, au-dehors, tout brûle. Âme, corps, dessus, dessous, cœur, chair. Alors, êtes-vous capable de reconnaître l'échange entre mon neveu de 19 ans et sa petite copine et la relation épistolaire entre Albert Camus et Maria Cazares? Petit indice, Albert Camus n'avait pas de téléphone portable. Deux styles, deux époques, mais un seul sujet, l'amour, et une seule preuve d'amour, les mots. Dans la grande librairie cette semaine, il sera donc question, entre autres, d'Albert Camus, de ses lettres, ses missives, ses bafouilles, qui disent à l'autre ce que chaque semaine cette émission dit à la littérature. Je t'aime.